Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Un ours. Arrête tes conneries, je le prends. Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Highlands. Eh ouais, et la dernière fois, du coup, on avait construit ce gros tas de bois qu'on avait allumé. On avait, on avait construit une base. Mais en fait, on a juste aplati le terrain tranquillement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo de The Highland, si vous me le permettez, c'est qu'on va se fixer un objectif. J'aimerais bien essayer de construire un bateau, un radeau quoi. Et parce que j'en suis pas à construire des paquebots tels que le Titanic, laisse tomber. Pourquoi pas construire un radeau et aller voir ce qui se passe vers d'autres horizons. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Et pendant que je vous parle, juste là-bas, je vois un aileron de requin dans l'eau, avec un loup juste à côté. Et intéressant. Attends, parce que normalement j'ai je dois avoir une wooden spear, non? Ouais, une stone spear, ok. Je prends ça. Ah putain, mais casse-toi! Il m'a fait flipper. Vas-y, casse-toi! Il est en train de me bouffer. Il est en train de me bouffer. Quand je vous dis que les bruits dans ce jeu sont abusés, il vient de me faire faire une crise cardiaque, mais puissance 10, mon vieux. C'est limite, tu te fais attaquer par un loup dans ce jeu-là, ça fout plus les boules que dans Resident Evil 7, tu vois. C'est un exemple que je vous donne. C'est un truc de malade. Putain. Ah, et puis mon bonhomme, il a faim en plus. Merde. Oh, le salopard. Vas-y, viens, je t'attends. Viens, je t'attends, espèce de salopard. Je passe en vue FPS, vous allez voir. On va le niquer comme ça. Tiens. Tiens. Prends ça. Je le nique, là. Voilà, je le nique. Voilà. Non, mais... putain, je crois bien que... La vérité, je vais envoyer un message aux développeurs. Je vais leur dire, revoyez les bruits des animaux, s'il vous plaît. En fait, quand je dis que les bruits sont abusés, c'est que le bruit de la nature, du jeu ambiant et tout, les pas, les bruitages, c'est vachement bas, tu vois. Mais par contre, quand il y a un animal qui t'attaque ou quand tu le tues, le son, il est multiplié par 10, tu vois ce que je veux dire. Et encore, je suis gentil. Bon, très bien. On va attendre tranquillement que ça fasse jour. Et en attendant, on va couper du bois. Parce que j'aimerais bien faire un radeau. Allez, c'est parti, let's go. On va couper ça tranquillement. Voilà, regardez ça. Eh ben, c'est impeccable, ça. Collect wood. Ah ouais, faut que je le coupe avant. Ah non, je peux collecter comme ça, ouais. On va le couper avant, on va le couper. Voilà, impeccable. Donc, ce qu'il va nous falloir, surtout, c'est les gros bois, je pense. Ouais, les gros bois, il va nous falloir ça. Est-ce qu'il y a moyen que je le ramasse? Ouais. Alors attendez, on va aller dans les crafts. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on sait du jeu? Eh bien, pas grand chose. On sait qu'il y a plein de crafts à faire, ça c'est clair. Voilà, c'est ça que je voudrais faire. Wooden raft. Est-ce qu'il y a moyen que je le craft? Honey bark, résine. J'ai de la résine, j'ai de l'honey bark. Vas-y, craft. Arrête. C'est bon? J'ai crafté un radeau là. Il est où? Où est-ce qu'il est mon radeau? Je viens de crafter un radeau là, non? Attends, je recommence. Wooden raft. Ah non, c'est pas un radeau que j'ai crafté. Wooden raft, il nous faut des logs et de la corde. Donc de la corde, ça. Il nous faut des yarns. Ah putain, c'est un truc de fou quoi. Et pour faire du yarn, il nous faut du coton. Et pour faire du coton, il nous faut. Il nous faut ça. Et pour faire ça, il nous faut des pôles et de la corde. Vous voyez, c'est... Je trouve ça... Putain, mon truc, il s'est éteint. Arrête. Vas-y, je le prends. Pile of hash, vas-y, pas de problème. Bon, moi, perso, je trouve ça un petit peu compliqué au niveau des crafts et tout. C'est... Voilà, quoi. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit feu de camp bien gentiment. Voilà, ça, il y a moyen qu'on craft. Voilà, on va poser ça là. J'espère que ça va pas tarder à faire jour. En attendant, on va allumer ça. On va prendre ceci bien gentiment et on va allumer ça comme ça. Voilà. Voilà, nickel. Ok. On a déjà un petit peu de lumière, donc c'est plutôt cool. Donc du coup, voilà, on est parti. Objectif de l'épisode, se crafter un radeau. C'est vraiment l'objectif. Et puis bien sûr, on se barre de l'île s'il y a moyen, hein. C'est ça surtout. Pour faire du coton, il va nous falloir, parce que déjà faut commencer par le commencement, il nous faut ça. Donc il nous faut de la corde et des ropes.
pour faire de la corde, faut qu'on ramasse de l'herbe. C'est parti. Voilà, on va commencer. Attends, mon inventaire il est déjà plein. Tu rigoles ou ça on le drop aussi. Ok, j'ai fait un petit peu le tri dans mon inventaire tranquillement. Pff, oursin, je pense pas en avoir besoin tout de suite. À moins que, est-ce que je peux le mettre dans le feu? C'est possible. On va essayer de le mettre dans le feu. Attends, voilà. Ah non, y a pas moyen. J'ai même pas de steak. J'ai quoi à faire cuire? J'ai ça, du crabe. Vas-y, on va mettre ça. Et bah c'est tout. J'ai juste du crabe à faire cuire. Bon, ça tombe bien parce que mon bonhomme il a un petit peu faim. On va donc ramasser au début, je vous disais, de l'herbe. Voilà, parce que faut qu'on fasse le truc justement pour faire la laine en fait. Non, c'est dans l'ordre, faut qu'on fasse du coton, de la laine. Ouais, je sais plus quoi, c'est un peu... C'est vachement compliqué je trouve des fois. Voilà, on va ramasser ça bien tranquillement. Par contre, j'avais vu un requin tout à l'heure. J'avais vu un requin. J'avais pas rêvé. Ouais, il est là-bas, regardez ça. Il est juste là-bas, regardez ça. Hop, vous le voyez? Ouais, j'ai pas envie d'aller trop le titiller non plus, vous voyez, mais... voilà. On sait qu'il est dans le coin. Est-ce qu'il y a moyen de le niquer? Non, à mon avis, je vais me faire niquer avant. Je pense. Je sais pas s'il y a moyen. Attends, je teste. Vas-y, oh là. Ouais, c'est encore... Le jeu, il a besoin quand même de quelques mises à jour. Hein. Disons que tout n'est pas au point. Mais après, bon, bah, c'est en développement. Hein. Voilà. C'est vraiment là, on a la base du jeu, quoi. On a le concept. Putain, je l'ai niqué, quoi. Arrête tes conneries, jure. Qu'est-ce que j'ai... bah arrête, il y en a un autre. Bon, ok, d'accord. Je vais le laisser tranquille. Je vais ramasser... Ah ouais, yes, j'ai ramassé une étoile de mer. Excellent quoi, trop fort. On se casse de là. Bon, en tout cas franchement par contre il est beau hein. Moi je crois que je l'avais déjà dit, je me répète. Mais c'est sympa quoi. Voilà, disons que l'ambiance, côté coloré et tout, c'est vachement cool. Petit lever de soleil et tout là-bas, ça déchire. Elle était où notre base? Elle est là-bas, c'est bon, je reconnais le coin. Oh regardez, c'est quoi ça? Non, ce délire. Y'a carrément un crabe qui s'invite chez moi. Bah tiens, tu tombes pas trop mal toi, j'ai la dalle mon vieux. Alors, viens ici. Voilà, et bah c'est parfait. Alors les crabes, faut les tabasser jusqu'à ce qu'ils nous donnent de la viande, si j'ai bien compris. Voilà, ok. Nickel. Voilà, bah c'est parfait ça alors mon vieux. Nickel. Tiens, fais-moi cuire ça tranquillement. Par contre, je vais prendre celui-là. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de le manger? Ah ouais, ok. Hit, clic gauche. Voilà, je l'ai mangé. Et voyez qu'ici, c'est marqué I'm hungry, en fait. Ouais, donc là, il est encore un peu faim quand même. Ok, nickel. Oh, regardez, on peut faire des flèches. Stone arrow. Yes! Il me faudrait des plumes. Ça, ce serait plutôt cool, voyez. Donc, déjà, il me faut des machins comme ça. Alors, attends. Voilà, des pôles. Je vais en faire deux. Voilà. C'est ce qu'il me fallait. Voilà, maintenant il me manque plus que de la corde. Et pour faire de la corde, il me faut du yarn. Mais c'est un truc de fou quand même. Bon bah écoutez, à la recherche du coton perdu hein. Par contre je vais ramasser ça. Voilà, ça je prends. Nickel. Tac. Allez vas-y, mange donc un petit bout. Et bah voilà, c'est impeccable alors. I'm hungry, il a encore faim, putain mon vieux, il a tout le temps la dalle celui-là, c'est pas vrai ça. Bon, à la recherche du coton perdu, c'est parti, let's go. Qu'est-ce que c'est que ça, c'en est pas du coton là-dedans là? Hein? J'ai pas l'impression. Regardez, il me donnerait pas un peu de coton celui-là là? Hein? Est-ce que tu me donnerais pas un peu de coton toi mon vieux? Par contre il peut me donner de la viande de lapin, ça c'est bien possible. Très certainement même. Hein? Et bah voilà. Tiens, rabbit, je prends. Rabbit, je prends. Et rabbit, je prends encore. Attends, comment ça, y a plus de place? Eh bah tiens, vire-moi ça, mon vieux, j'en veux pas de ça. Voilà. Drop, vas-y, donne-moi mon lapin. Je prends. Allez, vas-y, on se casse de là. Attendez, j'ai envie de voir parce que ça se trouve, ça marche avec de la corde normale. Est-ce que... Merde, j'ai plus de place dans l'inventaire. Est-ce que si je fais de la corde normale, je peux faire le truc pour faire du coton? C'est la grande question. C'est possible. Des os, j'ai pas besoin de ça, vas-y. Lâche-moi ça, voilà. Est-ce que si je fais de la corde normale, voilà. J'en fais deux, ok. Maintenant, est-ce que je peux faire... Ah bah j'ai l'impression que oui.
Ah yes, ok. Construire, yes. Nickel, on va aller le mettre à la base. Enfin à la base, du moins ce qu'il en est quoi. Voilà, regardez ça. On va construire ça ici tranquillement. Voilà, place. Ok, étape suivante. Étape suivante. Pour construire un radeau, il nous faut il nous faut des logs et de l'oniropes. Bah attends, c'est une blague. Tout à l'heure il nous fallait des yarns là. Non? Alors il nous faut des logs et de la corde. Bon, ok. On va construire 10 cordes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah j'ai... Ok, j'ai déjà plus d'herbe. Bon bah go chercher de l'herbe. Ok, tac, on fait de la corde. C'est nickel. Maintenant, il nous faut... Il nous faut des logs. Ok, bon bah ça, ça va être tranquille. Regardez ça. Il y a un putain d'arbre à côté de nous. On va le couper. C'est parti, let's go. Voilà. Impeccable. Regardez ça, comment que ça se casse la gueule, le bordel. Pouah. Bah bon sang. Et bah c'est parti, mon vieux, on va couper tout ça, hein. Allez. Voilà. Impeccable. Voilà, c'est surtout les gros qu'il faut que je ramasse. C'est bon, on a de quoi construire le radeau. Allez, vas-y, construis. Et bah voilà. Ça y est, regardez ça. C'est bon. On a fini le jeu là, non? Attends. Attends. On va placer le radeau quelque part. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen Ah non. Ah, je peux pas le placer Can be operated when placed outside the water. D'accord. Je peux pas le placer sur l'eau pour l'instant. Attends. Comme ça? Ah bah si. C'est bon. Ça y est. Eh bah vas-y mon vieux, vers l'infini et l'au-delà, c'est parti. Attends. Comment qu'on monte là? Contrôle. Voilà, ok. Vous êtes maintenant prêt à aller vers d'autres îles. Ah là, ça commence à être intéressant, vous voyez. Islands warm and cold. Les îles sont hostiles, riches en, avec d'autres ressources. Regardez où les oiseaux volent, ils vont vous guider. Quand vous ouvrez la mer et vous craftez votre map. À partir d'un animal. Et désolé, franchement, je suis une quiche en anglais. Mais je comprends, voilà. En traduisant 3-4 mots, j'arrive à comprendre ce qu'il faut faire. Voilà, plus ou moins. Ok, d'accord. Très bien. Ah ouais, regardez, en plus, j'avais ramassé un paddle et tout. Bon, bah écoutez, les gens. J'ai envie de dire let's go, c'est parti. Voilà, là, c'est parti, là, ça y est. On est parti, là. Attends. S, seul bike, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est pour aller en arrière, d'accord. Ok. Bon. Et bah let's go, c'est parti. Ah ce délire, on est carrément parti sur un radeau et tout. Et mais je vous dis, on peut carrément construire des paquebots. Des paquebots tels que le Titanic et tout. Des hélicoptères, mon vieux. Des trucs. Des trucs de mazo quoi. Mais c'est quoi ce bruit là mon vieux? Ce délire. Mais perso, je trouve ça vraiment très compliqué pour en arriver. Pour en arriver là. Voilà. Je trouve le jeu. Je dirais pas compliqué au niveau des crafts, mais c'est le bordel. C'est trop fouillis quoi. C'est ça le délire en fait. Voilà, pour moi je trouve que c'est beaucoup trop bordélique. Par contre, y a moyen de nager combien de temps comme ça? Non, parce que je dis ça. Je suis sûr, il y a même moyen de se fabriquer un bateau à moteur, vous voyez. Mais voilà, trop fouillis, trop le bordel je trouve à faire et tout. Moi j'aime bien les jeux qui sont simples. Par exemple un jeu de survie que j'ai bien kiffé, qu'on me demande encore à l'heure actuelle d'y rejouer, c'est Stranded Deep. Stranded Deep, je le trouve simple. Il est pas non plus super facile, mais il est plus simple que ça au niveau des crafts, de la survie et tout. T'as pas besoin trop de te prendre la tête et tout. Là je trouve que c'est pas mal prise de tête. Voilà. Après le jeu il est bien. Il est bien, il est vachement complet, ça on peut pas lui reprocher, mais... ouais, c'est super prise de tête, quoi. Non seulement c'est prise de tête, mais en plus, je sais pas où je m'en vais. Est-ce qu'il y a moyen de descendre du radeau, là? Ah bah oui, il y a moyen. Parce que normalement, je vous le dis, mais on peut carrément faire de la plongée sous-marine. Ah ouais, yes, c'est cool. Ouais, ça déchire, franchement. Attendez. Oh putain, c'est un requin, ça, là-bas. On va remonter tranquillement. Ouais, il y a un requin. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah bah oui, mais il y a un truc que j'ai pas retenu.
C'est vrai, là je suis en train de voir, je vois les mouettes voler un petit peu. Ouais, il y a un requin en plus, il est là-bas. Il a l'air d'arriver et tout. On va se casser. C'est vrai qu'il y a un truc qu'ils m'ont dit. C'est suivre les oiseaux. Les oiseaux vont me guider. Ça, j'ai complètement zappé. Écoutez, on va suivre les oiseaux. Merde, on va suivre les oiseaux. Les oiseaux sont là pour nous guider. Donc, eh ben on va aller dans la direction du moineau là. C'est parti, hein. Parce que là, mon vieux, je vous le dis, je suis complètement perdu là. Je sais même plus où aller mon île. Attends, parce qu'il y a un moineau qui va là-bas, il y en a un qui va là-bas. Il y en a... regardez ça. Ah, regardez. On voit tout comme ça, quoi. Ouais, c'est un petit bug, parce que... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oh, regardez. Terre en vue, capitaine, mon vieux. Et ce délire. Il y a carrément un bout d'île là-bas. Et par contre, faut y aller, hein. Putain. Faut pas être pressé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Tranquillement. Et franchement, là, ça commence à... Ça commence à être pas mal, voyez. Moi, vraiment, je pensais qu'il y avait qu'une seule île. Et là, pour tout vous dire, j'étais un peu déçu si c'était ça. Il n'y aurait pas eu d'autres îles à explorer, j'aurais été déçu. Mais là, du coup, je vois que c'est une map... Ok, là, c'est cool. Là, on est d'accord, très bien. Malgré qu'il y a encore quelques trucs à voir de la part des développeurs sur le jeu, quand même. Il y a encore pas mal de mises à jour à faire, hein, faut se le dire. Hein. Ok, ça se construit tout doucement et tout, c'est nickel, ça. On y est, moussaillon. Terre en vue. Oh putain, laisse tomber, c'est quoi, c'est le désert là-dedans. Ah ouais, regardez ça. Allez, vas-y, le radeau, hop, c'est bon. Le radeau, bah on le laisse là, hein. Tranquillement, hein. De toute façon, je pense pas qu'il va bouger. Ok, on est parti, on est sur une nouvelle île. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, franchement, c'est sympa, quoi. Le fait de découvrir des nouvelles îles comme ça. Oh, regardez, en plus, il y a encore d'autres trucs à explorer et tout. Franchement, là, ça commence à devenir... ça commence à devenir bien sympatoche. Il y a des cactus et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut récupérer les fruits des cactus. Ok, d'accord. D'accord, ça c'est quoi? Des melons du désert. Ah bah, ça tombe bien, j'avais faim, mon vieux. Vas-y, donne-moi ça. Voilà, I'm hungry. Bah ouais, tu m'étonnes. Bouge pas, mon vieux. On va manger ça. Ah bah voilà. C'est bon. Regardez. Voilà, c'est bien. Il a... Ah bah, I feel fine. Je vais bien. Et bah là, ça fait plaisir à voir. Vous voyez? Il va très bien, notre petit bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ouh, mais on en a des petits trucs par ici. D'accord. Bougie. On va prendre. Alors, j'ai remarqué que dans ce jeu, quand même, faut pas non plus tout ramasser. Hein. Flynn Flight, par exemple. Flynn Lighter, par exemple, j'en ai déjà. Parce que si vous ramassez tout, votre inventaire, il est vite... voyez? Il est vite blindé. Faut pas tout ramasser, en fait. Cowboy... cowgirl shirt. On va prendre un petit pantalon de cowboy quand même. Ah merde, je suis blindé. Voilà, on va enlever le truc d'alchimiste. On va enlever ça. Voilà. Et je vais prendre plutôt... On va prendre ça. Bah arrête, comment ça mon inventaire il est plein, tu rigoles? Voilà, on va ramasser ça. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, c'est pas le moment de faire la sieste mon vieux. On a du pain sur la planche là. Attends, je vais prendre ça, voilà. Ok, on va mettre ça ici. On est beau comme un camion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre là-dedans? Les chaussures. Non, c'est bon. L'alchimiste, ça, je viens de le jeter. Par contre, les bottes de cow-boy, on va peut-être se les prendre. Histoire d'eux, quand même. Voilà, ça, on va virer. Et on va plutôt prendre ceux-là. Oh là là, regardez ça. Eh, ceinture de cow-boy et tout, mon vieux. Ça déchire. Horse hide. Oh, horse hide. C'est un truc pour les chevaux, ça. Non? Ou c'est de la peau de cheval? Bon, écoutez, on se barre de là. Feu de camp, c'est bon. Le bambou. Est-ce que ça nous repose de dormir comme ça? Ou alors c'est un point de sauvegarde, non? Je pense que ça se trouve, j'ai pas fait gaffe, mais ça se trouve quand on dort dans le lit, ça nous redonne toute notre vie en fait. J'ai sûrement pas fait gaffe, y'a moyen. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Iron Hammer, j'en ai déjà un, donc vous voyez que ça sert à rien que j'en prenne un. Qu'est-ce qu'il y a dans les tonneaux? Oh putain, arrête. Jure. Écoutez, on va acheter des trucs. Hein. Carapace de crabe, on drop. Ça, je drop. Oh là là, regardez ça ce qu'on a trouvé. Oh, bah là, on est refait mon vieux.
Une arbalète carrément. Bah laisse tomber quoi. On a gagné, on a fini le jeu mon vieux. Ça y est, y'a quoi là-dedans? Oh là là, de la dynamite. De la dynamite. Ça. Potato seed. Potato seed. C'est de la bouffe? Je prends. On verra bien. Attendez, je regarde dans les tonneaux parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs quand même. Un tableau, je m'en fous. En fait, faut faire gaffe parce que faut pas tomber dans le piège de tout ramasser non plus, quoi. Vous voyez, il y a des trucs, peut-être, ça sert pas à grand-chose, quoi. Oh, du lingot de cuivre, je prends. Copper lingot, ouais. Alors, attendez, il y a un truc que j'ai envie d'essayer, là. Oh, mais ça déchire. Oh, regardez ça, un vautour, mon vieux. Un vautour du désert. Arrête tes conneries, quoi. Il est inerte le bordel mon vieux. Il réagit pas quoi, il s'est pris deux flèches. Il s'est pris une première flèche en plein dans la tête bien entendu. Ça l'a piqué un peu, il s'est demandé d'où ça venait. Il m'a bien regardé dans les yeux et il a attendu calmement la deuxième. Non bon bah bon, tout ça encore c'est un petit peu hasardeux hein, voyez, mais bon c'est voilà, c'est sympa quoi. C'est Highland. Bon vas-y, fais péter mon vieux. Vas-y, tiens, regardez ça comment que je l'ai déplumé le bordel. Mais non, mais je m'en fous. Non, non, arrête, c'est bon, là, si je commence à ramasser toutes les carcasses, je suis pas arrivé au bout de mes peines hein. Vas-y, fous-moi ça à la poubelle, mon vieux, drop. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Par contre, on va ramasser ça, oui. Oh, regardez ça. C'est quoi, ça? Non, une forge et tout. Oh là là, une épée et tout. Mais laisse tomber, mais il y a trop de trucs, là. Attends, vas-y, fous-moi tout ça à la poubelle, mon vieux. J'en veux plus, c'est bon, voilà, vire-moi tout ça. Ça, j'en veux plus, mon vieux. J'en veux plus de tout ça. Dégage. Voilà. Regardez ça, il y a des trucs beaucoup plus intéressants, quoi. Arrête, quoi. Ce délire. Pepper shit et tout. Des lingots de ferraille, quoi. Non. Mais non, mais genre. Ah, pas quoi que. Si, peut-être, ouais. Attends. Si, ouais. Regardez ça. Attendez. Attendez, attendez, parce que. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça. Voilà. Et on va plutôt mettre les légionnaires armor bottes, mon vieux. Ce délire. Laisse tomber, quoi. Regardez ça, comment on s'est mis bien, là. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai la hache et tout. Oh là là, laisse tomber. Mais c'est ça en fait, c'est que j'ai plus de place là. Je suis blindé là. Bon les gens, écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode sur Highland. En tout cas, bah, on a découvert encore un gros bout du jeu, j'ai envie de dire. Une grosse facette du jeu. Voilà, du coup, on sait qu'on peut s'aventurer encore plus loin. Qu'il y a d'autres îles et tout. Que là, on peut encore certainement construire des gros bateaux tels que le Titanic ou je ne sais quoi d'autre. Mais je trouve ça un peu compliqué à mon goût. Peut-être pas un peu compliqué mais un peu bordélique et tout. Donc voilà. Moi je trouve qu'il y a des choses à revoir sur le jeu franchement de la part des développeurs. Mais sinon il est bien, ça reste un super bon jeu. Mais il y a quand même quelques trucs à revoir. En tout cas si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas la partager. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur les petites vidéos qui s'affichent sur le côté. Vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis ben, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.